Bonjour à tous. Bonjour. Ça va ou quoi ? Oui, je viens de me réveiller. Ça se voit. Ça se voit que je viens de me réveiller. Et j'espère que vous allez bien. Vous, de votre côté. Que vous avez passé une bonne nuit. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus besoin de faire le truc d'audio à chaque fois que je démarre le jeu. Ça, c'est la good news. Ça, c'est la good news. Ça fait plaisir. Ensuite, bah, on va lancer la petite map Stash House. La nouvelle map, Stash House. Allez, c'est parti. On va mute parce que le gars, on dirait, il a mis un grippin dans son micro. Oh, point strat. Vas-y. Allez. On a élimination, une balle à mort et un kill après avoir visé. Ouais, bah le kill après avoir visé, c'est pas pour tout de suite. Alors, voilà, une balle à mort. Ah bah là, c'est une balle de mort. Wouhou ! Alors... c'est bizarre à dire, je la connais pas encore cette map parce qu'elle vient de sortir, mais elle est toute chiotte donc. Donc ça va aller à vite, je pense, pour la connaître. Eh, franchement, là en point strat, c'est plutôt sympa. Hein. Ah mince. Oh là là, attends. Première gagne de la journée, je sens qu'il y a déjà un potentiel. Concentrons-nous. Une balle à mort avec le pompe, ça va le faire. Aïe, dommage. Aïe, dommage. Alors, en plus, il y a une mise à jour de la feed. La feed dure moins longtemps. Ah, mince. Mince. J'aurais pensé qu'il y avait quelqu'un qui arrivait là. Oh, le saligo. Parce qu'il dit, ouais, faire une animation après avoir visé. Donc, je sais pas combien de temps on a le droit de rester en train de viser... Ah, le point est là, ouais, nickel. Ah ouais. J'aurais peut-être dû mettre un chargeur amélioré, non ? 5, ça me paraît juste. Mais y'a pas de... Ah oh là, attends, je suis un peu éclaté, hein. Ah, y'a un gars, mais il campe ! Il campe, le salaud ! Voilà. Allez, mange ça en tes dents. Ouais, je pense que... je vais mettre un chargeur. Oh, chargeur de 10, allez, soyons fous. Soyons fous. Oh là là. Oh, je l'ai décaloté, lui. Il peut pas arriver là. Allez, une petite triple. 3 gars qui s'alignent, bam, triple. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un truc, tu sais, que les gens ils arrivent sur le point ou quoi. Cela, ça serait l'angle parfait, tu vois, les gars ils arrivent sur le point, bam, triple. Mais non, personne. L'objectif, j'ai l'impression que tout le monde s'en. Enfin, tout le monde. En face, en fait. Bah, c'est vrai qu'un point strat, si les gens. J'ai pas à dire, joue l'objectif comme des acharnés, tu vois. Mais un minimum. Oh dommage, ils étaient là! Ça perd l'hippopette! J'aurais pu faire une petite collette en plus! Bon, ils jouent pas les kills, ils jouent la camp, eh. Mais elle est vraiment cool cette map, hein. C'est vraiment du shipment, mais en mieux. Je pense qu'on va se le dire, hein. Oh! Mais arrête! Ah ouais, mais non, mais... Attends, mais... Il me fait pas littéralement respawn là où il y a 4 coins. Il y a un coin où tout le monde campe, il me fait respawn là. Mais ils sont ignobles! Ils sont donné le mot pour être des fils de... de femmes pas très fréquentables. Hein? Voilà. Voilà. Mais ils sont... mais c'est fini, oui! Non mais en plus de camper, ils sont ignobles! Oh, dommage, le loop! Première game de la journée, le café a pas encore fait effet! Putain, mais grosse merde, va! En tout cas, la map, elle est...
Ah voilà, toi je t'ai bien décaloté la gueule. Il avait une tête de bite. Pardon. Bon, je pense que les one-shot aux pompes, ça va le faire tranquillou bilou, hein, le défi. Oh là là, oh, les horribles. Ah, il y a une fenêtre. Ah bah non, il y a une fenêtre là, oui. Mais pardon. Ils sont à plusieurs aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à plusieurs aux toilettes? Mais what? Attends, mais pas vrai, il y a un défi, je veux comme un fils de pute. Oh là là. Mais tu vois, je trouve que la map est beaucoup mieux shipment parce que elle est un peu plus grande néanmoins. Oh là 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 là. Elle est un peu plus grande. Et merde, non. Oh là 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 là. Oh, ils sont lourds dingues. Oh, mais elle est un peu plus grande et il y a des couvertures. Parce que c'est shipment, le problème, c'est que... Bah... C'est tout ouvert, donc les gars ils jettent des frappes, des machins. Malheureusement, tu te fais atomiser quoi. Là au moins l'avantage c'est. T'es dans le bâtiment, même si c'est un peu ouvert, bon. Pour le coup, tu vois, c'est le genre de map qu'on voulait. Des petites maps comme ça, colorées, lumineuses, dynamiques, avec un toit pour éviter de se prendre toutes les frappes du monde. Parfait. Tu vois, c'est des petites maps fun de Call of. Hein. Tu vois, avec ça, avec Myth. Bah, shipment, shoothouse, rust, tout ça, un peu besoin. Au moins, on a deux nouvelles maps qui sont cool, qui sont dynamiques, qui sont petites. Ah ouais, ok. Et je trouve que c'est mieux de faire des petites maps comme ça que de faire un énième remaster de. Enfin, une shipment qu'on a eu encore une. Quand il y a encore. Bon, c'est du mal. Oh là là. Pauvre allié, je le vois respawn devant la ligne ennemie. Mais alors par contre, je pense le défi des 20 une balle à mort. Mais oh là là, ils sont quand même bien à vomir en face. Hein. Pardonnez-moi l'expression parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des mots de ce genre de dans mon vocabulaire, tu vois, mais quand même une sacrée bande de fils de pute. Hein. Lui là, lui c'est le roi des fils de pute. Tu vois, je pense qu'il doit y avoir une royauté dans le coin, mais il y a le roi qui est là, il est présent. Oh là là, on a trouvé la reine des putes. Incroyable. Mais il y a tout le royaume là. Oh. Il y a tout le royaume. Oh putain. Eh, j'espère que tout le monde joue pas comme ça sur la map. Hein. Oh, c'est des putes. Alors, dans la famille fils de pute, je voudrais le père. Bonne pioche. Le fils. Bonne pioche. La mère. Bonne pioche. Et il a tout, toute la famille. C'est celle-là, Killcam? Ok. En fait, maintenant, tu vois l'illumination finale de l'œil de l'ennemi, pas de l'allié. D'accord, ok. Non, mais c'est un point. Ok. C'est un cas de figure. Oh là là. Alors, bon, je viens de me réveiller. J'ai encore la gueule dans le pâté. Première game sur la nouvelle map, qui est pas mal. Franchement, force de constater. Après, tu sais, c'est des maps genre shipment. C'est des maps bordel. C'est pas des maps où tu dis, tiens, on va faire un petit gameplay posé, tranquillou, pilou. Non. C'est des maps, tu sais que tu vas rager, tu sais que tu vas insulter. Tu sais. Alors, pour le défi, normalement, j'ai complété. Voilà. Donc, on va aller dans la création de classe. Arme.
Le petit pompe, je me suis bien amusé, ça faisait plaisir. De temps en temps, ça fait plaisir. Et alors, sur le longbow, le kit de conversion, du coup, qui fait... Ah ouais, 280 de dégâts. Et en plus, tu vises plus vite. Ah, t'as moins de vitesse... Ah, t'as beaucoup moins de vitesse de balle. Hein. Position tactique possible, max damage round, dégâts, vitesse de visée. Incroyable, ça. Ok. Sur le papier, ça a l'air... Sur le papier, ça a l'air nice. Ça a l'air nice. On va mettre ça. Et en plus, on peut mettre des accessoires de tout ce qu'on veut. On peut mettre le pas de cross. On peut mettre le pas de cross. Bon, à la limite, tu pourrais même mettre un petit canon long, histoire d'augmenter un peu le tout. Bon, je pense qu'on a un truc pas mal. On va aller tester. L'une des choses du longbow, généralement, c'est que il est très faible en termes de dégâts. Beaucoup de gens disent « Ah, oh, il y a trop d'hitmarkers, trop d'hitmarkers. » Il y aura toujours des hitmarkers, mais moins. Du coup, ça fait un longbow plus puissant. Il y a la mire de base. Ah, il y a la mire de base. Beau gosse. Attends, on va mettre ça alors. Stabilité de visée. Ah, mais de base, il y a la mire en plus. Ah, bah, c'est magnifique, ça. Allez, premier kill avec. Ok. Ah, dommage. Eh, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. La mire du SPR, une bonne petite cadence, beaucoup moins d'hit marqueur. Oh, 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 oh là là. Oh là là. Mais ils ont régalé cette saison pour les snipes, hein. Ils ont régalé. Le one-shot du XRK sur Warzone. Oh, les fils de chien. Là, ce petit mods, là. Oh, oula. Oula, on est tombé sur un fils de pute. Ah. Et la petite mire, là. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de snipe à la mire. De snipe de MW3, en tout cas. Allez, casse-toi, la cargo, là. Bon, la cadence, tu sens qu'elle est un peu plus limitée, mais du coup, ça avait plus vraiment comme fusil... Parce que jusqu'à maintenant, la cadence était tellement élevée, t'avais pas vraiment l'impression d'avoir un snipe à verrou. Oh, le chien. Oh, le chien. Oh, je suis trop nul! Mais c'est quoi ces fils de merde? Oh là là, regarde-moi. Eh, hey, mais hey. Y a quand même 2-3 salopes en face. Ça va pas arriver, hein. Eh, hey, mais Tenchi, tu peux pas aller niquer ta daronne, fils de pute! Pardon. Excusez-moi, je... Je sais pas ce qu'il m'a pris. Et l'autre avec sa pizza là, le livreur là. Allez, on prend le point les amis, on prend le point. Ah putain. Je tire parce que je pense que je peux tirer mais je peux pas tirer. Oh le Tenchi, mais toi, mais mange tes crottes de nez quoi. Sans blague. Oh, il s'est débattu contre le vent lui. Mais en vrai, je suis même curieux de me dire... Qu'est-ce que ça donnerait sur Warzone? Ah, dommage! Le petit enchaînement de 4 était mignon pourtant. En étant flash, ça fait place. Le point B, il est vraiment excellent, hein. Ah, wow, ouais. Le point B est vraiment excellent sur la map, en tout cas. Il donne réellement envie de se battre pour, il donne le dynamisme et tout. Mais, oh là là. Putain, les gars, ils ont leur barricade, ils ont les doubles clés morts. Eh, mais réellement, mais vous pouvez pas vous faire têter les yeux un peu, là? Oh! Regarde-moi ça! Mais non, mais y'a la panoplie! Non, mais, ils sont infects! Ils sont infects, les gars! Ils sont infects! Ah ouais!
sur Warzone, techniquement, sur les stats, ça peut être bon. 280 dans la tête, ça se trouve, tu mets 2 balles, quoi. Ça se trouve, hein. Ça se trouve. En tout cas, bon, j'avais mis ça. C'est vrai que 20 mètres, c'est bien, hein. Tu vois, c'est portée effective des dégâts, 20 mètres, sinon, c'est 15. Et la map, elle est petite, mais il y a quand même des petites distances. Donc tu dis, bon, tu mets ça, tu vises un petit peu plus lentement, mais en vrai, ça passe, tu vois. Allez, let's go, c'est parti, point stratégique avec le nouveau snipe, le nouveau longbow. Et on va voir un peu ce que ça donne. Là, il y a peut-être moyen, là, en point strat. On espère tomber sur une bonne team des deux côtés. Oh, dommage, dommage, dommage. Oh là là, c'est magnifique avec la mire comme ça du SPR. C'est magnifique. Oh là, ça régale. Moi qui voulais justement un snipe à la mire. Alors oui, on avait eu la petite mire sur... avec l'accessoire, le jack machin, là, mais c'était horrible. C'était horrible. Oh, il y avait du monde. Allez, dans la tête Q. Tête de Q. C'est là, non? Allez, venez sur le point. Moi, je protège un petit peu pour éviter qu'ils viennent. Ah, j'ai mis une collate. Oh oh! Petite collatchouille, ça fait plaisir. Ah, dommage, dommage, dommage. Là, je suis en kiff, hein. Franchement, ils nous ont régalé. Ils nous sortent une petite map, genre shipment. Mais genre en plus... plus lumineuse, plus colorée, avec des bâtiments pour éviter que des grenades, des flashs partout, les streaks, machin. Ils nous sortent un kit sur le longbow qui te permet d'avoir la mire du SPR, plus qu'il y ait plus de dégâts. Les gars, ils font plaisir. Ils font plaisir. Oh, dommage, j'avais une collate en plus. Tu joues pas sur une petite map si t'as peur d'aller à l'action, quoi. Bah, y'en a, bon, ils ont un peu peur après. Bon, ils testent, hein, c'est la nouvelle map, ils disent là. Bah, y'en a, ils sont pas forcément rassurés avec l'action, donc ils restent un peu dans le coin, ils restent un peu rentrés. Et putain, la collate, elle passe, il pourrait y avoir une triple, t'imagines? Triple longbow, c'est beau. Par contre, franchement, il y a un truc qui aurait été bien. C'est avec le kit que du coup le bruit du longbow soit un peu plus différent, tu vois, un peu plus... pas autant que ça peut-être, mais... parce que là, t'as l'impression d'avoir un silencieux alors que t'en as pas. C'est ça qui est un peu frustrant avec le longbow, c'est que t'as pas la satisfaction du tir bien lourd, tu vois. Oh là, alors Q, oh, putain, le gars, t'as à vomir comme gars. Mais arrête de camper, bordel! Pardon. Allez, allez. Allez, on les baisse. C'est Q en plus en face. C'est Q, voilà. Allez, Q. Ah là, ça va arriver dans le couloir. Voilà. Ah bon, ah ok. Sympa Skyros de shoot. Allez. Je pourrais pas dire sur cette game là, tu sais, Tu vois, autant il y a des games où je sens qu'il y a moyen, autant celle-là... Oh putain, il y avait une triple. Voilà, il y avait une triple, voilà. Je te jure, il y avait une triple. Bon, après, avec le longbow, avec l'angle qu'il y avait et tout, ça a été un peu compliqué, mais... tu vois, t'as ce côté où... c'est petit, c'est dynamique, c'est chaotique, mais tu ressens pas non plus ce côté shipment où tu respawn, tu crèves, tu respawn, tu crèves, tu respawn, tu crèves.
Et c'est reposant. C'est reposant. T'as le dynamisme de shipment sans le côté chiant. Vraiment, l'upgrade est incroyable. Félicitations, mec, qui a fait la map. Il a fait plaisir. Il a régalé toute une communauté. IQ! Ah mais tire-toi à côté aussi! Ah mais c'est embarrassant, bordel! Oh! Oh, je vous ai chié dessus! Oh, je vous ai chié dessus! Oh! Oh, eh! Oh, 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 sur ton visage! Allez, aval! Allez! Mais qu'est-ce qui m'emmerde avec son truc? Oh, mais il est chiant, lui, avec son truc de fumigène, là! Ah non, mais c'est avec moi, lui. T'aurais peut-être tendance à sentir des fois que c'est un peu léger. On va s'en faire une dernière après, ou je vais essayer de faire une classe plus dynamique, peu importe le range. Parce que, de toute façon, là, je fais des hitmarkers même à cette distance-là, tu vois, donc... je pense que la lenteur m'empêche de... Oh là là, c'est dommage, j'étais en train de les chier dessus! C'était bon! Et un petit 77 kills! Sympa, sympa, sympa! Non, non, franchement, la petite régalade, tu vois. Le petit longbow, là, comme ça, qui avec la mire du SPR, qui a plus de dégâts. La petite map gearshipment, mais en mieux. Beaucoup mieux. Aïe, aïe, aïe. C'est bueno. On va faire une petite dernière. Mais on va essayer, parce que je pense que c'est ça. Tu sens que je suis un peu lent dans le mouvement. Mais on va essayer d'avoir un truc plus rapide. Beaucoup plus rapide. Je pense que ça va aller un peu mieux comme ça. Ah, mais attends, mais je viens de remarquer, tu sais, la piscine et tout, c'était le skin canard, là. Il y avait une photo là sur cette map là, ils nous avaient déjà teasé le truc. Allez, let's go. Match à mort par équipe, on y va. Ouais, je sais pas. Oh merde, j'ai visé à côté. Bon, tu sens que la mobilité est quand même mieux là. Il y a un peu plus de... C'est un peu plus silky smooth, tu vois. Mais tu vois, c'est mieux parce que t'es un peu plus mobile, t'es un peu plus rapide. Et comme de toute façon avec l'autre, tu faisais des hitmarkers tout pareil, tu finalement, l'un dans l'autre, ça change peut-être pas grand-chose. Et peut-être au contraire mieux, le fait d'être plus rapide, ça te permet d'ajuster un peu plus rapidement la tête. Donc finalement, c'est mieux. Oh mais oui! Attends. Oh, attends, on va essayer, on va essayer. Ok, ok, ok. En position tactique. Bon, je suis pas sûr du coup, mais... on essaye au moins. Oh, dommage. Putain, c'est bon. Je pense que je préfère le style de la mire quand même, mais au moins tu peux le faire. Ça c'est con. Il y a des petites marqueurs, tu dis, putain, celui-là elle passerait. Je pense que ça changerait le destin de la suite. Mais... oh, ta mère toi, hein. Grosse de chouin, va. Ouais, la fin était pas très bonne. Bon, au final, il y a eu du bon. La map est bonne, tout ça c'est bon. Ça fait plaisir, franchement. Ça régale, ça régale. Bon là, la game était moins bonne. La game était moins bonne. Tu vois, mais je préfère les games avec objectif. Tu sais, il y a une adrénaline supplémentaire. Mosh pit, petite carte. Meat, shipment, stash house, rust. Voilà. Ça c'est de la playlist qui va faire plaisir. Bon, tu sais que les petites maps, c'est les plus populaires. Donc là, playlist avec que des petites maps. Mais honnêtement, ils auraient dû faire juste stash house et meat. Parce que shipment et rust, je pense... pour la majorité d'entre nous, elle nous sort par les yeux. Voilà, Stash House, c'est la nouveauté, tu mets Meat avec, nickel, histoire de mettre un petit Meat entre Stash House, histoire de dire, voilà, on fait pas que Stash House, mais pour l'instant, je pense que cette map-là, validée à 100%. Validée à 100%.